grande joie de présenter un deuxième livre de Mordecai Richler parce que la maison d'édition les éditions du sous-sol ont comme projet, depuis maintenant février 2016, de publier l'intégralité de l'œuvre de Mordecai Richler, qui est un auteur assez incroyable, un grand auteur nord-américain qui, qui n'a pas connu totalement la gloire qu'il mérite en France, en tout cas la gloire littéraire. Euh, qui est une sorte de cousin de Sol Bello et de, de parent de Philippe Roth, euh, avec cet humour mordant euh, juif, là, canadien, anglophone, et non pas euh, new-yorkais, pour le cas de Philippe Roth. Euh, C'est un auteur qui avait été publié en France de nombreuses fois, hein, qui, qui avait été publié aussi parfois avec succès, comme euh, La vie de Barnet euh, chez Albin Michel. Euh, mais on avait le souhait de, de, de retravailler les traductions avec un. Un, une autre maison d'édition qui s'appelle Le Boréal et euh, une, de proposer une traduction à la hauteur euh, des œuvres de Robert mais qui respecte aussi les particularités euh, de, euh, de la langue euh, canadienne euh, anglophone. C'est un anti-roman d'apprentissage avec un anti-héros, presque en ce sens picaresque, euh, où on suit Doody Cravis dans ses entreprises périlleuses pour euh, en fait, acheter un lopin de terre. Il vise euh, un coin dans les Laurentides. Euh, qui lui permettra comme ça de, de viser une station, future station balnéaire euh, mais évidemment on voit bien la lecture et c'est ce qui en rend euh, ce qui rend le personnage de ça fait partie de ces romans de l'après-guerre aussi où, où euh, les chutes de ces hommes là ne sont, euh, sont pas des chutes dont on se moque, on les, on les lit aussi avec une certaine forme d'empathie et on voit que toutes ces entreprises sont périlleuses euh, et sont vouées à l'échec. donc euh, parmi ces entreprises euh, donc euh, dans ce quartier du mile End, il va, euh, euh, il va monter par exemple une Enfin, il va être serveur, il va rencontrer l'amour, c'est vraiment un personnage qu'on qu suit de bout en bout. Et puis, il y a une anecdote assez géniale, c'est tout un passage où il est, il, il est persuadé qu'il va faire fortune en montant une entreprise, de, euh, de, 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 une boîte de production de films, mais de films à destination des, des familles, enfin des, 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 des tournes pour les, les bar mitzvahs, pour les, les mariages. Et euh, il a le malheur de trouver comme euh, caméraman, ce qui n'est peut-être pas, pas le cas de la librairie Mola, donc euh, je pense qu'ils ont plus de chance. Mais lui, dans son cas, un réalisateur euh, écarté par le McCartisme, euh, euh, et donc il fait partie de ces réalisateurs d'Hollywood qui, qui ont fui Hollywood après la, la chasse aux sorcières. Et donc c'est to totalement, totalement en décalage avec l'emploi, puisqu'il essaye de faire des films d'arrêt d'essai avec des bar mitzvahs. Et donc ça devient euh, risible. Et forcément, les clients sont mécontents et donc l'entreprise euh, fait faillite assez rapidement. Donc, c'est le type d'entreprise qu'on va suivre avec Doudi Kravitz. C'est évidemment, euh, cette ambition, le fait que tous les moyens sont bons, euh, n'est pas forcément très bon pour, euh, pour Doudi Kravitz qui n'atteindra ou pas son objectif, mais en tout cas euh, qui laissera pas mal de gens sur le, le bas côté.